Voici d'abord et avant tout, vous l'avez compris, une soirée neurone. Comme d'habitude, j'explique d'après des faits que j'espère accessibles, vérifiables, afin que chacun puisse constituer sa propre bibliothèque de sûreté, de certitude, etc. Et on ne va pas traîner, puisque c'est un complément du film La Révélation des Pyramides. J'ai besoin de savoir qui n'aura pas vu ce film. S'il vous plaît, levez la main. Ça fait quelques heureux, c'est sympa. Merci, donc je vous encourage vivement à aller le voir sur Internet, c'est gratuit, sur Dailymotion, sur YouTube, etc. Mais surtout, faites attention à prendre la version française avec une voix féminine. Comme ça, vous ne serez pas confronté à un fake épouvantable. Voilà. On va attendre les dernières personnes qui s'installent, c'est pourquoi je bavarde autour du sujet. Et vous l'avez compris, ce soir, c'est un piège du nombre d'or, chose abstraite. À l'île de Pâques, chose concrète. Tout fait qui s'écarte de l'ordre établi est encore considéré par les autorités en général comme une anomalie, et donc comme un élément hautement suspect a priori. Heureusement, ce scepticisme systématique et rationnel, bien plus proche d'une idéologie que du doute méthodique, n'empêche nullement de nombreuses et curieuses découvertes de venir de temps à autre bouleverser les règles et repousser les bornes du connu. Si bon nombre de ces mystères trouvent rapidement une explication scientifique, il en reste cependant quelques-uns à ne pas avoir trouvé de solution pour la bonne raison que l'on s'abstient encore de nos jours d'en rechercher. Or, comme le rappelle le physicien anglais William Thomson, dit Lord Kelvin, le découvreur du zéro absolu, et là je m'adresse à celles et ceux qui ont vu le film, Jean-Pierre Adam, la science est tenue par l'éternelle loi de l'honneur à regarder franchement en face et sans crainte tout problème qui peut se présenter à elle. Comme le rappelle judicieusement l'astronome Camille Flammarion, c'est de l'observation exacte des faits inexpliqués que sont nées les principales découvertes. Or, des faits inexpliqués, il y en a et en très grande quantité. Ce qui tombe bien, puisque selon Jean-Baptiste Lamarck, il n'y a pour l'homme de vérité positive que les faits qu'il peut observer, sauf les faits, tout n'est qu'opinion. Pour ma part, je ne fréquente pas l'opinion, la reine du monde, comme aurait dit Shakespeare, je ne me borne qu'à évaluer les faits, et je vous invite à en faire autant dès que possible. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je présente un petit peu mon parcours de manière synthétique en citant deux fois de suite René Descartes. La pluralité des voix n'est pas une preuve qui vaille bien pour les vérités un peu malsaines, pardon. Vous avez entendu le lapsus. Malaisé à découvrir, parce qu'il est bien plus vraisemblable qu'un homme seul les ait rencontrés que tout un peuple. C'est un peu cela qui m'arrive, je suis seul, pas contre tous, fort heureusement vous êtes là, mais la solitude n'engendre rien ou presque. Hein. Donc la deuxième partie, c'est qu'à cette époque, lors de mes découvertes, j'avais une quinzaine d'années et je ne savais pas à qui m'adresser pour les valider, les invalider, pour les évaluer, etc. Je ne pouvais choisir personne dont les opinions me semblaient devoir être préférées à celles des autres et je me trouvais comme contraint d'entreprendre moi-même de me conduire. C'est ce que j'ai dû faire et me voici face à vous. Je vous invite toutes et tous à être très attentives et attentifs à la fois à ce que je vais dire et à la fois ce que je vais montrer. Merci. Première partie, comme dit, le nombre d'or dans tous ses états. L'une des missions les plus importantes de quelque individu ou collectivité que ce soit est de transmettre ses acquis, ses savoirs, savoir-faire, savoir-être. Parfois, cependant, ces éléments de grande importance ne doivent ou ne peuvent aller dans les oreilles, dans les yeux et entre toutes les mains de qui que ce soit. Fort heureusement, il nous reste l'intuition, l'intelligence, la sensibilité et la culture qui sont nos clés individuelles et spécifiques pour chercher, découvrir, retrouver. Et grâce à elles, fort heureusement, nous avançons. Pour clarifier et simplifier le propos, partons de ce qui vous est le plus familier, le nombre pi, c'est-à-dire une constante mathématique universelle, infinie, naturelle, irrationnelle et transcendante. Pour faire bref, irrationnel, ça veut dire qu'il n'a ni rythme, ni fin, et conséquemment, on peut trouver tout dedans, toutes les séries, on peut très bien trouver, mais par le hasard seulement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou 1, 2, 4, 6, etc. Et par conséquent, on peut imaginer que l'on trouvera ce que l'on recherche, à un moment ou à un autre, on le trouvera. Pour bien que la chose soit ancrée, petite révision nécessaire. Pi est le nombre par lequel, multipliant le diamètre d'un quelconque cercle, on obtient le périmètre de celui-ci. C'est un nombre complexe
et infini, dit irrationnel et transcendant. C'est aussi une constante universelle. Sa valeur usuelle, vous la connaissez, 3, 14, 16. Avec ça, c'est plus facile. En d'autres termes, le rapport entre le diamètre de n'importe quel cercle avec son propre périmètre s'appellera pi. Nous voilà prêts à avancer. J'en profite pour dire, il y a des téléphones qui fonctionnent. On s'en servira quand même, mais s'il vous plaît, s'il était possible pour l'instant de les mettre de côté. Voilà, nous y sommes. Parce qu'on est prêt là à aborder le nombre phi, le nombre d'or. Et déjà, la première chose qui se signale à nos yeux, c'est que ce nombre porte comme emblème une lettre grecque qui n'est autre qu'un cercle avec un diamètre. Qui plus est, pour corser la chose, phi et pi sont très proches. Il n'y a qu'une lettre pour les différencier, elle se trouve au milieu. Et encore plus aiguë dans l'observation, on observe que la première lettre de pi et de phi, c'est une consonne. La troisième, c'est une voyelle. Et au milieu, avec la lettre H, c'est peut-être ni consonne ni voyelle, mais un peu les deux. Surtout qu'on ne prononce pas la lettre H, on l'aspire ou on l'expire. Et mieux encore, elle modifie les caractéristiques des lettres qui viennent avant. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la lettre C qui devient se promener là-devant, pan, eh bien, ça fait che et non plus C. Quand on met un P, ça fait feu et non plus, etc. Je vous vois venir, j'entends vos gémissements, donc par pitié, pas de mathématiques. Simplement des broutilles, des choses que les enfants de 7 ans un petit peu éveillés peuvent saisir. À commencer par cette chose-là. Le nombre d'or est généré par le cœur des nombres lui-même et apparaît sexué dans leur suite, ce qui est unique dans l'infini des nombres. Ça le rend légitime en quelque sorte, puisqu'il est le seul à posséder cette propriété, tout comme la suite infinie des nombres elle-même. Voilà deux sœurs. Une blonde, une brune, il y a tout pour plaire. Bon, c'est elle. Donc la genèse arithmétique et numérique du nombre d'or nous propose ceci à travers la célèbre suite de Fibonacci qu'on n'enseigne plus dans les classes, ce qui est très dommage. Pour arriver à ce résultat, l'extraction du nombre d'or du nombre en général, il faut s'y prendre de cette manière très très simple. Vous voyez en haut, 1 plus 1 égale 2. Qui n'est pas en mesure de faire cette opération, c'est dommage. Faites-vous rembourser, ça va devenir très dur après. Bon, et donc vous prenez le dernier terme de cette addition et le résultat, et vous additionnez, ça fait 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 5 plus 3 égale 8, etc. C'est ça la suite de Fibonacci, c'est 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. 144 étant le 12e terme. À partir de celui-ci, n'importe quel terme de cette suite divisé par le précédent donnera toujours un résultat avoisinant 1,618. Une fois un peu au-dessus, une fois un peu en dessous, une fois un peu en dessous, de manière sinusoïdale en quelque sorte. Conséquemment, ça n'est pas le même type de constante que pi. Pi, c'est invariable, c'est un nombre qui ne change absolument dans aucune circonstance et personne ne peut le modifier. Celui-ci, il est un devoir de l'appeler une constante statistique. Quand on est sexué, on est statistique. Bon. Retenez simplement sa valeur 1,618 et son inverse, c'est-à-dire 1 divisé par 1,618 égale 0,618. Et là, les ennuis commencent, comme vous allez le voir. Il a des propriétés qui émanent de sa nature. Du point de vue mathématique, donc, phi possède de nombreuses spécificités uniques dans l'infini des nombres et toujours en relation avec le nombre 1. C'est peut-être pour cette raison qu'il a pu paraître d'une importance capitale aux anciens concepteurs. En effet, d'après Voltaire, il ne pourrait y avoir deux dieux créateurs. S'il y en avait deux, il y en aura un pour bouffer l'autre. Ce sont ces termes, hein, pour dévorer l'autre. En effet, on ne peut pas admettre théologiquement, et plus que ça encore, même scientifiquement, qu'il y ait deux créations possibles parce qu'elles prendraient deux voies différentes. Pour être encore plus clair, je citerai M. Emmanuel Kant et qui disait « L'univers pourrait ne pas être, or l'univers est cette chose-là, appelons-la Dieu ». J'espère que tout est clair. On va pouvoir passer au reste. Vous avez retenu 1,618 et son inverse, 0,618. Et vous notez que la différence est de 1. C'est cette liaison particulière avec l'unité qui est remarquable. Donc, phi est le seul dans l'infini des nombres qui se multiplie par lui-même lorsqu'on lui ajoute 1.
voyez que déjà les opérations commencent à vaciller, multiplier et additionner sont une même chose pour ce nombre, dès lors que 1 est inclus à cette chose. Phi est le seul dans l'infini des nombres qui s'inverse lorsqu'on lui retranche 1. Là encore, les opérations n'ont plus la même valeur. Phi est le seul dans l'infini des nombres dont le carré ajouté à lui-même est égal à son cube. Il ne s'agit pas que de cela, il s'agit aussi de retenir que sa racine carrée plus son inverse égale 1. Donc ça s'énonce 0,618, racine carrée de 0,618 égale 0,382. Et 0,382 plus 0,618, effectivement, ça fait 1. Vous voyez que cette liaison entre 1 qui est fixe, comme pi l'était, et lui qui est absolument mobile, pour ne pas dire plastique, c'est cela qui est intéressant. Ce qui nous intéressera simplement, c'est de nous souvenir de cette opération diabolique, phi plus 1 égale phi carré, ou encore phi moins 1 égale 1 divisé par phi, le résultat étant 2,618 pour la première opération, 0,618, et là, l'écart est de 2 unités. C'est là que j'en profite pour signaler la différence fondamentale entre les mathématiciens anciens et les mathématiciens modernes, pour qui je n'ai pas une sympathie approfondie, vous le devinez. Le nombre d'or pour les modernes est le résultat de l'équation suivante. 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2 égale phi, le nombre d'or de valeurs approchées, 1,618, 0,33, etc., etc. Des milliards d'années pourraient s'en suivre avec la notation de ce qu'ils composent, on n'en a pas besoin. C'est là aussi qu'il faut remarquer que lorsqu'on a affaire à des constantes irrationnelles, personne n'est en droit d'exiger l'exactitude et la précision. On verra tout à l'heure que mathématiques et métrologie imposent également cette nuance. Alors donc, les modernes nous disent cela, et là, ils considèrent la racine carrée de 5, numériquement parlant 2,236, comme un nombre banal, ordinaire et anodin. Pour les anciens, en revanche, ce nombre 2,236 apparaît comme la somme du nombre d'or et son inverse. Vous pouvez vérifier 1,618 plus 0,618 égale en effet 2,236, ces opérations n'ayant pas de terme. Quand je suis confronté à des nombres irrationnels, je ne les appelle pas comme ça, parce que mon intention dans ce film prochain, c'est de démontrer que ce ne sont pas des nombres irrationnels, ils ont des structures et des rythmes géométriques. Simplement, j'ajouterais que cette chose, cette vision des anciens à l'égard de ce type de nombre infini va rendre très différentes les mathématiques des bâtisseurs. Contrairement aux nôtres, les bâtisseurs ne se perdent pas dans des subtilités, ils collent toujours la réalité à l'abstraction. Et ils ont raison. Donc, les modernes posent l'équation 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2 égale phi, alors que les anciens disent phi plus 1 divisé par phi divisé par 2 égale phi, c'est une tautologie, c'est une stupidité. C'est pourquoi je considère comme les anciens que les mathématiques contemporaines énoncent parfois de lourdes stupidités et ne considèrent pas autre chose que la valeur quantitative des nombres, alors que les anciens s'intéressaient à la valeur qualitative des nombres aussi. Pour bien dire les choses, ils collent toujours, comme je viens de l'énoncer, le réel à l'abstrait. Donc, ce que ne font pas les modernes, les anciens le font, ils rapprochaient toujours l'abstrait du concret. Ainsi, les éléments de cette équation se rapprochent-ils d'un triangle rectangle aux propriétés singulières ? 1 de petit côté, 2 de grand côté, racine carrée de 5 évidemment, comme hypoténuse, merci, personne ne s'est trompé. Un bon point. Donc, ça n'est autre que la moitié du rectangle composant, si je puis dire, le sol de la chambre haute de la Grande Pyramide, qui fait en effet ce rectangle 1 sur 2. Et là, donc ce que j'ai dit à partir de racine carrée de 5 nous permet de donner une indication qui lie les mathématiques pures à la valeur, cette fois-ci métrologique, utilisée par les bâtisseurs. Et je ne dis pas les Égyptiens, car comme vous le verrez dans ce prochain film, tout le monde sur la Terre utilisait la coudée. On fait cette somme, 2,236, c'est-à-dire racine carrée de 5, plus 2 plus 1, ça fait 5,236, c'est-à-dire 10 coudées exprimées en mètres. Donc on voit apparaître ici le mètre de manière tout à fait naturelle à partir des mathématiques pures et leur transformation en métrologie. Pour varier un peu, on va faire de la géométrie, c'est très simple, enfin c'est pas plus compliqué, je pense que tout le monde a le niveau. Rassurez-moi, s'il vous plaît.
Donc, une simple relation géométrico-algébrique permet la naissance de phi le nombre d'or et affirme sa vocation de vecteur d'harmonie. Voyez des segments AB, BC, AC. La quantité d'augmentation du segment BC en AB est la même que celui qui fait de AB AC. Ça marche ? Oui, tout le monde a dit AC, c'est bon. Donc, on a quand même beaucoup plus simple. Il y a au moins trois formulations pour cette caractéristique. On va passer à la plus simple, vraiment géométrique. Vous avez un carré de 1 de côté. Vous le divisez en deux. Vous mettez la pointe de votre compas en bas, ici. Et évidemment, le crayon en haut. Vous abaissez cela sur la droite qui fait la base. Et vous obtenez, sans avoir à faire de calcul, la proportion 1 et 1,618. Vous avez fait le nombre d'or. Vous l'avez créé littéralement avec quelque chose de très très simple. Phi apparaît dans tous les ordres de la nature, minérale, végétale et animale, c'est-à-dire humain, et paraît être la matrice numérique de la croissance du vivant. Sans que vous vous en aperceviez, pour des raisons à la fois didactiques et pédagogiques, je passe de l'immatériel abstrait à la chose de plus en plus concrète. Parce qu'il va falloir faire la nuance. Vous avez un double carré, c'est-à-dire un rectangle de 1 sur 2. Il faudra considérer que c'est la marque de la relation entre le monde du vrai, dit en haut, et le monde du réel, dit en bas. Et on va voir que c'est chez Platon ce qui détermine la notion de symbole. On vous a expliqué en classe, on prend n'importe quelle chose, on la casse en deux, on offre une partie à un tel et l'autre, et quand ça se réunit, c'est la complétude. Pour Platon, en réalité, c'est le vrai d'en haut et le réel d'en bas qui ne doivent jamais être séparés et rester dans une unité, au moins dans l'esprit des personnes, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient artistes, qu'elles soient ce qu'elles veulent. C'est cette unité-là qu'il appelait symbole, c'est-à-dire jeter ensemble. Jeter parce que la divinité n'a rien dit à partir de cela. Allons plus loin, donc. La genèse de phi dans la nature. Mais on ne sait pas dire si c'est phi qui s'impose et modèle les choses ou à l'inverse, phi apparaît parce que les choses sont ainsi modelées. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est très facile à comprendre si on commence par le concret, mais le plus lointain, c'est-à-dire la relation entre la quantité de matière, avec des guillemets, par rapport à l'espace. Et là, on a une équation, peut-être un peu plus lourde que les précédentes, qui nous dit logarithme du nombre de nébuleuses dans l'espace multiplié par la taille moyenne de ces nébuleuses égale l'inverse du nombre d'or en mètres plus la vitesse de la lumière. Et là, on a cette curiosité qu'on a une constante mathématique associée à une constante physique, dont je démontrerai aussi que ça n'est pas une constante absolue comme pi, mais vraiment une variable autour d'un absolu. Donc, on voit que cette chose a été testée pour une tranche d'espace d'un milliard d'années-lumière. Par curiosité, qui sait nous dire à peu près combien de kilomètres parcourt la lumière en une année ? Je souhaite que vous fassiez des progrès, parce que la prochaine fois, vous risquez d'être un peu noyé. C'est-à-dire, grosso modo, 299 792,858 kilomètres par seconde, et ça pendant la durée d'une année. Ça fait quand même du considérable. Et là, on a calculé que cette équation particulière rendait compte de l'occupation de la matière, toujours entre guillemets, dans l'espace, pour un milliard d'années-lumière. C'est une manière de tester très considérable. Après, voyons dans le monde minéral, dit inerte, et on s'aperçoit, c'est pour les dames, faites-vous offrir une topaze et demandez à votre mari de vérifier ce que je vais dire. Vous prenez un rayon de lumière et la topaze, spontanément, va le réfracter selon un angle équivalent à phi, le nombre d'or. C'est un petit peu compliqué, ça intéresse surtout les géologues, et on fera ça dans le film de manière très très cadrée. Pour le nombre d'or dans le monde végétal, on parlera de l'angle de Wiener, qui est l'angle de la meilleure exposition des végétaux à la lumière solaire, tant qu'à faire, et cet angle s'obtient très facilement. Vous prenez les 360 degrés de n'importe quel cercle et vous divisez par phi au carré, c'est-à-dire phi multiplié par lui-même. Le résultat est 137 degrés 54 minutes. C'est facile. Après, vous exposez vos végétaux à la lumière, c'est un très bon rendement. Surtout qu'on est très dépendant des végétaux, puisque si vous avez un rendement inférieur, la chlorophyllisation ne se fait pas correctement, la production d'oxygène et l'absorption de
gaz carbonique non plus, et on perd beaucoup. Passons à la suite. En astronomie, pour revenir à du concret nettement plus accessible, au moins optiquement, certains macrophénomènes, tels le développement des bras des galaxies spirales, de même que la répartition de la matière dans l'espace, comme je viens de le dire, semblent étroitement dépendantes de phi et ses variantes. Le nombre d'or, là encore, et comme dans le monde du vivant, apparaît comme un indice de croissance harmonieuse. D'autres secteurs de l'astronomie voient apparaître phi le nombre d'or. La moyenne des lunaisons dans l'année solaire, par exemple, montre en effet un nombre issu de phi de la racine carrée de 5, à savoir les mois solaires sont de 30 ou 31 jours, 12 mois comme ça, ça fait 365 jours, un quart environ, alors que les mois lunaires équivalent à 28 à 29 jours, et conséquemment, l'année lunaire est plus courte. Lorsqu'on fait la comparaison, le résultat, c'est qu'il faut 12,36 mois lunaires pour équivaloir à une année solaire. Or, 12,36, c'est racine carrée de 5 moins 1, et conséquemment, phi plus l'inverse de phi, moins 1. Là, on rentre dans du concret. Cette tête-là, vous êtes inconnue. Elle est tellement petite qu'il y a très peu de chances pour que vous la connaissiez. Ça s'appelle un virus. Mais là, on voit quand même que la complexité de l'ensemble, pour des choses extrêmement petites, montre que la géométrie a une prégnance profonde. L'intérêt de ce petit dessin, si je puis dire, numérique du virus, reconstitué évidemment d'après des images d'informatique, c'est que c'est un heptagone, c'est-à-dire, oh là, c'est splendide, là. On le voit au moins. Si vous prenez par exemple cette pointe-là et que vous la joignez à celle-ci, puis à celle-ci, comme ça, c'est le profil exact de la grande pyramide de Khéops qui, elle aussi, a cette particularité. Continuons dans l'étrange pour nous apercevoir que donc, la géométrie est très prégnante, mais qu'en plus, elle a des modalités particulières. Ici, c'est une structure qui est reproduite et les cercles se suivent sans se ressembler trop. Mais c'est ce qu'on appelle une structure fractale. C'est donc une des modalités. On fait une chose, on la reproduit dans différentes proportions, etc. Ça, c'est intéressant. Ça va nous expliquer l'intérêt de connaître phi. On arrive dans les radiolaires, c'est-à-dire ces petites figures de pierre ou de coquillage, souvent qu'on trouve sur les plages. Vous pouvez en ramasser, ça se voit au microscope. Et là encore, la géométrie est très, très prégnante et donne des indications, en quelque sorte, sur les structures qui vont de la sphère la plus lisse au carré, au rectangle, etc., un peu partout. Pour rendre compréhensible, on voit à gauche, ici, le nautile, qui est un coquillage très beau par ailleurs, et dont on sait que les chambres se multiplient chaque année du volume du nombre d'or. Plus exactement, si la chambre fait 1, la chambre suivante et l'année suivante fera 1,618 en termes de volume. Ce qui est plus discret à comprendre, c'est pourquoi une année ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait ce rythme annuel de changement de chambre ? On est ici dans un hôtel, imaginez-vous le bazar. Mais surtout, la question qu'on se pose, est-ce que ce coquillage est matheux ? Est-ce qu'il est intelligent ? Qu'est-ce qui fait ça ? C'est l'occasion de placer cette petite remarque qu'on appelle la téléologie chez les anciens, qui énonce ceci, qui est une belle observation. Lorsque les hommes fabriquent quelque chose, ils partent de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsque la nature réalise quelque chose, elle part de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour eux, la vraie science, c'est suivre cela, c'est-à-dire aller dans les fondations de la création, mais personne de nos jours se soucie de cela. La curiosité aussi, c'est que la nature a ses procédés très rigolos. Ici, nous avons un coquillage qui est sur un axe vertical, et pour autant dire, il est presque plat, avec ses chambres légèrement circulaires. Si on prend son centre ici, que l'on tire de manière radiale, le résultat est celui-là. Et les propriétés sont les mêmes, c'est-à-dire l'agrandissement était ici au rendez-vous, là c'est le raccourcissement du début qui va s'agrandir de cette manière volumétrique, exactement selon la même propriété, en passant de 1 à 1,618 et ainsi de suite. Là, nous sommes dans le monde végétal avec le pollen qui lui aussi, par habitude, semblait-il, prend des formes géométriques. Et l'on retient qu'ici, nous sommes en présence d'un polygone étoilé qu'on appelle pentagone. Et les deux figures sont assez subtiles. Vous voyez, celle de droite est très construite, celle-là semble à plat, l'autre, au contraire,
prend en volume selon le même mouvement que j'ai montré pour les coquillages. On continue, on fait un tour au Canada avec la feuille d'érable, qui est un pentagone aussi, mais irrégulier et pour autant inscriptible dans un cercle. On voit que c'est une feuille d'or dès lors que si l'on donne les proportions ici comme proposées, on est dans les proportions des grandes pyramides de Gizeh déjà, et en plus on voit apparaître les nombres 1, racine carrée de 2, 1 divisé par phi et phi soi-même. Continuons dans les plantes. Et l'on constate que l'on revient, sans le dire explicitement, mais j'espère que vous notez cela, vers l'angle de Wiener, 137 degrés, 54 minutes, l'angle d'insolation le meilleur pour les plantes. Et elles, qui ne sont pas mateuses pour autant, prennent automatiquement cet espace dans la largeur et dans la hauteur. Ce qu'il faut remarquer, c'est que cette science qui s'appelle phyllotaxie, a été proposé par un astronome, Johannes Kepler, qui en plus était chanoine, ce qui ne gâte rien. Et lui, ce qu'il a découvert, c'est que dans la constitution des plantes, ce qui faisait la distribution des feuilles, c'est le fait qu'il y a des spirales de raisons phi entourent la tige principale. Et conséquemment, eh bien, les plantes obtiennent la meilleure exposition. Pour la fougère, qui est l'une des choses végétales les plus anciennes sur Terre encore, la proportion d'allongement et d'élargissement est la même que partout ailleurs, le nombre d'or, phi. C'est-à-dire, plus elle s'allonge, plus elle s'écarte en même temps, et ça, ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur, on ne le sait pas encore, mais la nature fait ce travail comme si elle avait toujours été en capacité de le faire. Ça semble être né au début même de l'univers, puisque quoi qu'on fasse, on voit le nombre d'or en action. Continuons dans le végétal avec cette pomme de pin qui, elle aussi, tout comme la plante avait sa tige entourée de spirales au nombre d'or, là, ce sont deux spirales qui se découpent mutuellement l'une l'autre en segments de 1 sur 1,618. Donc le nombre d'or s'inscrit dans cette croissance et croît en proportion avec la chose, ce qui fait que lorsque cette pomme de pin s'ouvre, elle a conservé ses lois d'expansion de spirales dorées. Ce qui est intéressant dans cette image, plus particulièrement, c'est l'emblème de Héra, la femme de Zeus dans la mythologie gréco-latine. Et ça fait référence à une glande que nous possédons dans la cervelle, qui s'appelle, pour raison de sa forme, la glande pinéale. Or, elle est composée exactement, du point de vue géométrique, sur ces aspects du nombre d'or. Là où c'est le plus étonnant, me semble-t-il, c'est que les anatomophysiologistes ne font pas cas de cela, ils s'en désintéressent. Le sous-entendu, c'est que s'il y avait un matheux en même temps que le personnel médical, ce serait peut-être très intéressant. Quoi qu'il en soit, la nature est une très grande générosité, très grande créativité. Ainsi voit-on en haut à droite un cactus, c'est-à-dire dans les endroits les plus déshérités, on trouve de la géométrie comme cela. Et les spirales qui s'enroulent mutuellement sont au nombre d'or et découpent des feuilles dont la base, si elle vaut 1, la feuille, le côté de la feuille, vaut 1,618 en proportion. Vous voyez d'autres plantes, elles ne réagissent pas aux spirales et à la géométrie, mais au nombre. C'est-à-dire la surface des pétales, en quelque sorte, le premier rang supérieur. S'il y a 8 pétales, le rang qui viendra après en comportera 13, le rang après 21, c'est-à-dire les éléments numériques de la suite de Fibonacci. C'est ainsi que pour la marguerite, vous y penserez les amoureux, on a cette succession généralement de 8 à 13 et de 13 à 21. Ça peut aller très loin. Au centre, en revanche, vous avez la découpe pentagonale, donc étoilée, et là c'est un double pentagone. On a des lois générales qui sont énoncées d'après ce genre de situation. Et la plus intéressante, c'est que la base de la grande pyramide dite de Khéops est montée sur ce plan-là. Il reste à dire que si vous n'avez pas les moyens d'offrir des fleurs à votre ami, vous pouvez toujours offrir un chou-fleur, parce que là, on mange de la géométrie. Le chou-fleur, il est organisé en volume et jusque dans son intimité intérieure sur les spirales au nombre d'or. Je m'arrête pour vous dire que j'ai parlé de géométrie droite et de géométrie courbe, sans vous le dire. Donc ça, c'est l'attention des traditions qui fait la différence. La personne naïve, très probablement, aura noté ceci. C'est important parce que pour les anciens, la géométrie droite, dite masculine, est stérile, alors que la géométrie courbe, dite féminine, est féconde. L'assemblage des deux va
permettent de comprendre la nature de l'espace ultérieurement. Et évidemment, j'insisterai là-dessus dans les prochains films. Dans ce cadre-là, le chou est pommelé et toutes les lois s'appliquent à toutes les surfaces de manière très précise. Donc c'est une leçon qui vaut la peine d'être faite. La prochaine fois que vous avez du chou-fleur à table, n'hésitez pas. On a le roi des chou-fleurs ici, qui est italien, qui s'appelle Romanesco. Et là, vous mangez de la géométrie en notant que les courbes, c'est-à-dire les spirales de Fibonacci au nombre d'or, sont mélangées avec une autre notion que j'ai énoncée tout à l'heure, c'est-à-dire les fractales. On voit que la nature se sert de procédés relativement simples, mais parce qu'elle les croise, on ne les aperçoit plus. Il faut les connaître à l'avance, c'est quand même mieux. Donc, vous avez un ami matheux, vous n'oubliez pas de lui faire ce piège. Tiens, tu pourrais nous énoncer les lois qui sont en œuvre dans ce petit volume sympathique. Et là, il va être un petit peu embarrassé. Ici, ça n'est plus une plante, c'est une feuille. C'est-à-dire que si vous soulevez une partie, vous arrachez la feuille. Et là, on voit plusieurs spirales au nombre d'or qui s'interpénètrent en quelque sorte et se croisillonnent. Et la subtilité, c'est que la base fait 1,618 alors que le côté courbe fait 1 en termes de proportion. On voit que la nature inverse ses procédés pour trouver une grande variété de formes, etc. Même l'ananas, qui est coiffé comme certains ici, n'est-ce pas ? À ses particularités, puisque ce qui constitue en quelque sorte sa coque répond cette fois-ci à la suite de Fibonacci. On y voit des spirales en quelque sorte qui s'enroulent doucement. Si l'une, comme vous le voyez ici, comporte 5 plaques hexagonales, la suivante automatiquement n'aura 8 et la dernière 13, c'est-à-dire des nombres de la suite de Fibonacci qui s'enroulent en apparence, mais c'est l'aspect numérique qui domine et non plus géométrique. Là, il faut ouvrir les yeux. J'ai fait une parenthèse. Je n'ai pas montré de serpent parce que je ne veux pas de panique à bord, mais simplement observer les insectes. Ce sont de très bonnes leçons, un peu mobiles sur les bords, mais ça va quand même. Que ce soit les fourmis, les araignées, toutes sortes de mobiles insectiformes, on remarque que les dimensions relatives de la tête, du thorax et de l'abdomen sont dans le rapport de proportion du nombre d'or. Et ça va s'améliorer parce que il n'y a pas que le corps lui-même, c'est-à-dire la matière, il y a également le décor. Vous voyez le jeu de mots sur corps et décor, c'est abominable. Bon. Pour se préoccuper de ces petites choses, il faut, plutôt qu'un double décimètre, il faut se servir du compas de proportion. Or, j'étais aux Beaux-Arts il y a 50 ans pratiquement. Déjà, il n'y avait plus cet outil-là qu'on peut se fabriquer très simplement, ce qui permet de détecter, quand on le fait en métal, comme ici notamment, que si on prend comme point de repère l'axe central du corps de ce papillon, la première barre qui sera mise donc en proportion de 1 intercepte l'ocelle là-bas, alors que la deuxième, 1,618, découpe en quelque sorte ou figure la fin du décor. Là, c'est encore plus précis. Regardez bien le détail. Si cette partie vaut 1, celle-là vaut 0,618. Si celle-là vaut 1, celle-là vaut 0,618. Si celle-là vaut 1, celle-là vaut 0,618. Et vous voyez, la concordance est exacte et précise, complète. Et elle est métissée, si je puis dire, de sa valeur complémentaire verticale. Si ça, ça fait 1, ça fera 0,618. Si ça, ça fait 1, 0,618. Si ça, ça fait 1, ce sera 0,618. Et là, il y a une légère inversion, puisque cette proportion va dans ce sens et celle-là dans celui-là. De la même manière, de l'autre côté, on a cette proportion qui vient du haut et celle-là du bas. Donc la nature croise simplement, mais pour le remarquer, il faut être très attentif. Continuons avec un personnage de la cour, la poule. On ne dirait pas que la poule a un cerveau fait pour les mathématiques supérieures, mais ce n'est pas sa tête qui est en question, c'est son derrière. Elle fait ça avec son derrière. Si vous voulez en faire autant, ça s'appelle un œuf. Et tout est aux proportions volumétriques du nombre d'or. Ça n'est pas de la tarte. On verra que je remontrerai de toute façon cette figure tout à l'heure dans un autre contexte. On se souviendra, pour le côté historique, du fait que c'est la succession des lapins qui a permis de calculer les éléments constitutifs de la suite de Fibonacci, qui a été régulée après par des normes mathématiques. Mais ce qu'il est important de noter, et je sais que vous ne notez pas cela parce que vous n'êtes pas habitué à cette forme de pensée, tout à l'heure nous voyons des objets, c'est-à-dire le nombre d'or appartenait à l'objet, le formait, etc. Mais là, ce sont des espaces. C'est-à-dire qu'entre une génération de lapins et la suivante, l'espace est à
dans l'ordre du nombre d'or. C'est-à-dire que la progression se fait comme cela. Et c'est encore plus vrai pour ce qui nous intéresse ici, à savoir les grandes spirales de l'ADN, à savoir notre héritage génétique dépend de cela. Or, il est un docteur en mathématiques et en biologie, excusez du peu, qui a remarqué que lorsque ces dimensions sont égales à 1 en proportion, celles-ci sont égales au nombre d'or, ou encore mieux, lorsque... Ah, ça s'est déplacé normalement, cette figure devait être là, c'est en changeant d'ordinateur. Donc vous imaginez que ça figure cet espace-là, et ça, celui-ci. Lorsque cet espace est égal à 1 entre deux spires de l'ADN, celui-ci, la profondeur de la pierre, est égale à 1,618, le nombre d'or. Macrophénomène, de nouveau. Vous savez ce que sont les Américains? Ce sont des gens qui sont passés de la préhistoire à la décadence. Et conséquemment, ils ont oublié de prendre leurs leçons dans la nature. Ils ont vu des bisons, ils les ont tués. Ils ont vu des arbres, ils les ont coupés. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Ça s'appelle le progrès. Donc, après avoir coupé tous les arbres, ils se sont aperçus très, très... C'est à leur dépens, hein, tant pis pour eux, que la leçon était assez redoutable, puisque les masses d'air chaudes, pour mieux comprendre, qui venaient du sud, de Floride, etc., etc., rencontraient les masses d'air du lac Erie, froide. Le résultat, ça nous fait ça, c'est-à-dire un ouragan, quelque chose qui tourne jusqu'à 480 km/h, et là, c'est 600 km pour la diagonale la plus grande. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très destructeur. À la destruction de l'homme, suit la destruction par la nature, vous l'avez noté. Donc cette figure, qui paraît très complexe, elle est très simple, on va voir pourquoi. En renouvelant cette image, cette fois-ci, nous avons un ouragan, mais il n'est pas seulement sur une spirale au nombre d'or, il est sur une spirale dite de Bernoulli ou encore une spirale logarithmique. Donc là, nous avons mélangé deux forces spiraloïdes, et on a la même chose dans le ciel avec des galaxies qui adoptent cette particularité. Mais quoi qu'il en soit, les calculs sont extrêmement simples, parce que quoi que l'on fasse, on est capable d'installer une spirale dont la hauteur de l'encadrement sera 1 sur la longueur 1,618. On va faire un petit tour dans les différents aspects de la culture du nombre d'or. Fille dans l'homme, c'est pour réveiller les dames. Mais ce sont les hommes qui ont le regard le plus inquisiteur, etc., et qui regardent tout le temps les proportions. On ne sait pas par quoi ils commencent et pourquoi ils commencent par ça, mais s'ils regardent les yeux, la relation entre l'iris et la pupille est semblable à 1 par rapport à phi. Pour l'oreille, c'est la spirale. Tout le monde n'a pas les oreilles en porte-manteau, mais statistiquement, cette spirale donne l'idée de l'enroulement de l'oreille, et on voit pour la lèvre, si la lèvre supérieure faisait 1 cm, la lèvre inférieure ferait phi, le nombre d'or en cm. C'est pour le peu. Merci. On va améliorer le standard. Merci. C'est pour ne pas vous casser les oreilles à force. Voilà. Une bonnette suite été. Voilà. Continuons avec la main. C'est le médius, vous m'excusez, mais je n'ai pas d'autres exemples à vous proposer. Si les phalangines, phalangettes et phalanges sont en proportion du nombre d'or, on le remarque en prenant les dimensions ou les proportions, soit cette suite. 2, 3, 5, 8. Il y aurait donc 13, 21, 34, 55. Ça, c'est pour les mains de géants qui ont des doigts façon Iti. Le pied, c'est pareil, c'est en termes de proportion et même de surface, donc c'est assez intéressant à étudier. Là, c'est pour réveiller les messieurs. On a une quenelle en haut, hein, bien connue, celle qui vaut pour la coudée, mais celle également pour la relation entre la main, la pliure de la main, etc., jusqu'à la saignée. On a la même chose pour le doigt. Quand on dit à quelqu'un « viens là », en réalité, on est en train de former une spirale de Fibonacci qui démarre avec le petit doigt ici qui s'enroule, ça c'est une spirale de raison phi. À droite, ça n'est pas Madame Sarkozy, un peu plus grasse, c'est Hypatie qui était la fille de Théon de Smyrne, un ingénieur grec venu s'instruire à la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et cette femme était ou passait pour la plus instruite, la plus intelligente et la plus belle de son temps. Résultat, elle a été dépecée avec des huîtres. C'est sympa.
Donc, avant que cela soit fait, on a noté ces proportions et on s'aperçoit que l'ensemble est régi par le nombre d'or, ce qu'on verra tout à l'heure avec un monsieur dont le nom laissait penser qu'il pourrait être menuisier, c'est-à-dire Léonard de Vinci. Alors, maintenant, je vais essayer d'établir une nuance qui ne paraît pas très intéressante, mais qui est fondamentale, à savoir l'esthétique et le beau. Quelles sont les différences entre les choses esthétiques et les choses belles? L'esthétique, c'est le déploiement mathématique à partir d'une symétrie. On voit la symétrie qui s'organise au centre par ce trait bleuâtre et autour, les dimensions, les proportions, etc. Cette femme est quand même attractive et vous allez apprendre pourquoi. Ça n'est pas parce qu'elle est féminine qu'elle est intéressante, puisqu'on a exactement les mêmes proportions pour ce type d'individu qui n'est pas le modèle même qu'on choisirait tout cela. Maintenant, on va expliquer les choses rationnellement. Ici, nous avons le visage d'une femme qui a été établi par des formules mathématiques et reproduit par des procédés numériques. Sa particularité, c'est que chaque point de la droite de son visage a le même point à la même distance de l'autre côté, c'est-à-dire ce qui est à droite et comme ce qui est à gauche. Donc il y a une forme de perfection et c'est cela l'esthétique. En atteignant cette perfection, on perd tout l'attrait de la beauté, à savoir qu'il n'y a rien qui attire l'œil. Parce qu'en réalité, soyez rassurés, ce sont surtout les défauts qui attirent l'œil et qui font que les choses sont belles. Toutes les choses esthétiques sont figées, sans tempérament, sans intérêt, sans attrait, etc. C'est pourquoi je fais depuis le début de la tournée cette expérience qui me semble va se vérifier de nouveau. Je propose de choisir entre ces deux visages dont vous ne savez rien, à savoir, ma demande est celle-ci. Les personnes qui préfèrent le visage à gauche, lèvent le doigt, s'il vous plaît. Oui, vous êtes 3, 4. Ben, à mon avis, vous allez payer le pot en sortant. Hein. Ça sous-entend que les personnes qui préfèrent le visage de droite, très rougeau d'ailleurs sur l'image, quelles sont-elles ces personnes qui préfèrent le visage de droite, s'il vous plaît? Voilà, ça c'est un vote massif. Merci, une fois de plus, ça se vérifie. Ici, vous avez le visage esthétique et là, le visage avec plein d'erreurs, c'est-à-dire des différences par rapport à la ligne de symétrie centrale. Et c'est celui-là qui retient le plus l'attention. C'est celui qui donne l'impression qu'il y a une vie, un sentiment, des particularités, des choses originales, etc. On voit donc la différence, cette fois-ci, entre l'esthétique et le beau. Là où ça devient intéressant, c'est que lorsqu'on fabrique des édifices, et notamment géants, et des édifices qui sont assujettis, comme toutes les constructions, au risque tellurique, celui-là va casser le premier parce que toutes les forces sont également réparties, alors que l'autre, grâce aux défauts, va voir les forces telluriques gênées parce que ça va se distribuer de manière presque aléatoire. Donc c'est important de savoir que les anciens attribuaient la perfection non pas à la symétrie, mais à l'asymétrie. Et il soulignait le fait que la divinité ne créait pas des choses rigoureusement semblables, comme le fait l'homme grâce à l'industrie, mais chaque individu est unique. Ça aussi, ça fait partie de la manière dont les anciens voyaient les choses. Quittons ce domaine laborieux pour aborder la science du plein et du vide, à savoir l'architecture. Tout le monde ici, je suppose, sait que le Parthénon est construit sur le mode du nombre d'or. Si sa base fait 1,618, sa hauteur fait 1. J'attire votre attention pour l'exposé ultérieur sur le fait que ici l'image n'est pas parfaitement conforme à l'original architectural puisque c'est reconstruit, mais c'est le fronton qui m'intéresse. C'est une partie d'un pentagone dont l'angle supérieur fait 108 degrés et les angles de part et d'autre conséquemment 36 degrés, la somme faisant 180. Vous savez ça. Je note, et j'insiste sur ce qui vient maintenant, on ne peut faire d'autres types d'analyses. J'aurais très bien pu faire l'analyse courbe. Dans le premier film, j'ai montré la dissection littéralement de la hauteur de la Grande Pyramide qui interceptait au tiers, la moitié, etc. Ça se fera dans le prochain film avec des courbes et notamment la spirale dorée. Donc simplement retenir que les analyses ne sont pas uniques comme chez nous, mais elles sont multiples, superposées, voire même concaténées, encastrées, etc. On ne peut pas conclure quand on voit ça trop directement. Notre-Dame de Paris,
Sa particularité, c'est qu'elle est exactement la moitié de la hauteur de la grande pyramide dite de Khéops, et d'autre part qu'elle aussi est construite au nombre d'or, ce qui fait qu'elle va durer encore plus qu'elle n'a duré jusqu'à présent, c'est-à-dire un peu plus de 800 ans. Ça, c'est la particularité des anciens édifices qui ont une grande longévité due aux imperfections qu'elles abritent. Fille dans les arts, eh bien, on ne va pas être déçu. Vous avez ici deux pingouins. Non, enfin, un pingouin à droite et la Vénus de Minos à gauche. Comme dit tout à l'heure, si la distance entre le sol et son nombril est de 1, la totalité sera de 1,618. Donc si cette personne a le nombril à 1 mètre du sol, elle fera 1,61 m, 8 mm. Mais c'est une donnée statistique. Et là encore, on voit que c'est l'imperfection qui gère la création et non pas la perfection. Donc il est inutile d'essayer de la rejoindre, cette perfection. Elle serait plutôt nuisible. En réalité, la spiritualité des anciens demande non pas d'aller tout le temps vers le haut, mais de faire que les choses du haut viennent en bas et les choses d'en bas viennent vers le haut. On voit que la nuance est considérable et teinte très différemment leur philosophie de celles qui nous sont connues, qui sont la plupart du temps des sottises. Le pingouin, lui aussi, est proportionné au nombre d'or, mais ne le dit pas. Il n'est pas dans un musée pour cette raison. Voilà maintenant une petite analyse d'une œuvre d'art telle que l'on devrait les faire dans les écoles et qu'on ne fait pas. Vous avez ici donc en superposition des figures qui notent, si je puis dire, les caractéristiques géométriques de cette composition. Vous avez en haut de la lumière dorée, ça c'est le vrai. En bas, vous avez l'obscurité, ça c'est le réel que nous nous occupons. Mais nous avons une étincelle du vrai dans notre mémoire constitutive. Et c'est celle-là que nous essayons par tout moyen d'aller rechercher. C'est pour cette raison, mine de rien, que vous êtes là. Et donc, nous avons le monde de la lumière en haut et le monde des ténèbres en bas. C'est un exposé tout bêtement religieux. Or, le religieux ici, il a l'air de se foutre totalement de ce qui se passe. Il regarde à l'horizon cette ligne qui se recule à mesure qu'on avance. Et en plus, il serre les mains. C'est ce que j'expliquerai à la fin lors de mon approche de la philosophie des anciens. Ça, c'est codé. Tout cela est codé. Ainsi, vous avez le double pentagone ici, c'est-à-dire le nombre 10 qui régit tout. Lui-même et sa génétique propre en quelque sorte, et vous voyez que ici la pointe intercepte la cervelle en quelque sorte, ici cette ligne intercepte le verbe, la bouche, et qu'elle passe à travers tout, et là c'est plutôt le nez qui figure l'intuition. Donc si vous faites l'association de ces choses-là, vous êtes dans le vrai religieux de toutes les religions. Et maintenant, vous voyez que ce personnage ici, c'est la mort. Or, c'est le personnage dont Victor Hugo disait « Jésus, c'est le plus de Dieu dans l'homme et le plus d'homme dans Dieu », qui correspond à ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur cette chose-là, cette parité. Donc nous sommes, sans le dire, mais je le dis maintenant, dans le monde de la dualité, certes, mais de la complémentarité et surtout de la polarité. C'est important parce que la deuxième partie va vous surprendre par sa cohérence. Donc on voit que ce type d'explication est très intéressante si toutefois on veut bien l'offrir. Ici, c'est un moche qui vient, c'est Charles VII. Il est tellement moche que les peintres ont dit on va redorer un petit peu le personnage, on va composer ce tableau grâce au nombre d'or, comme ça on n'ira pas voir sa tête. Mais il est beau parce qu'il est imparfait, vous avez noté ça tout à l'heure, tout le monde a sa chance. Vous vous souvenez de Coluche qui disait « Le vin a été créé pour les femmes moches ». C'est dur ce qu'il dit. Bon. Vous avez ici des gravures de Albert Dürer, le portier, c'est son nom en allemand. Vous voyez en haut, il y a un arc-en-ciel, il y a en dessous une sorte de comète, il y a un petit panneau avec une sorte de dragon, Mélancolia, peut-être un S, I, et ici un pentagone en volume, et il est irrégulier, mais il est inscriptible dans un cercle. Alors ces choses font figure d'emblème plutôt que de symbole, et je les expliquerai au fur et à mesure. Ça, c'est la chose dite ésotérique et la chose exotérique pour les matheux. On voit quand même que ce travail est considérable et précis et exigeant. On le retrouve sous une autre forme, cette fois-ci donc emblématique, où on voit l'homme intégré à un pentagone, c'est-à-dire à une étoile. Et il suffit d'observer cela quand on a la vision, selon les anciens, pour se dire être un être humain, un astre. Parce que être comporte un E accent circonflexe qui est la trace de l'ancien S. On disait un estre humain.
Il faut regarder les visiteurs là, pour avoir du vocabulaire ancien. Donc simplement, on mélange ces choses. Et pour dire que c'est vrai dans toutes les langues, parce que c'est ce qu'on me pose fréquemment comme question, vous avez en espagnol le verbe être, il est double. Il y a ser, c'est être en nature, et c'est la source du mot serios, qui est le nom de Sirius des latins, le serios des grecs, qui est anagramme d'Osiris. Donc toutes ces modalités curieuses, elles permettent de décrypter la pensée des anciens qui donnaient des images plutôt que des mots afin qu'on ne fixe rien et que l'on découvre au niveau auquel on peut aller, en s'élevant évidemment. Donc nous avons un astre, un être, et on verra que âtre tout à l'heure, c'est la même chose, sauf que c'est du feu. Toutes ces choses sont évidemment clairement notées puisque la croix qui est au centre vise le sexe. Et vous verrez tout à l'heure chez Léonard de Vinci, lui c'est plus nuancé, ça veut dire que nous sommes un être terrestre. La preuve, cet individu est coincé dans la géométrie stérile, alors qu'autour de lui, il a une géométrie féconde, le ciel. Toutes ces nuances font partie d'un langage. Donc ça c'est pour Agrippa, Henri Corneille, Agrippa de Nettesheim, un Suisse allemand, à la même époque. Là c'est Robert Fludd, en Angleterre, toujours à la Renaissance en quelque sorte, et là, j'ai dessiné le pentagone étoilé qu'il lancèrent, alors qu'il n'a plus besoin d'être là, les gens lisaient cela comme ça. On voit que là, le ciel aussi est plus compliqué, on voit le zodiaque ici, et la circulation des planètes. Et cette chose qui paraît éloignée de mon sujet va vous devenir familière avant la fin. Maintenant, passons à ce génial personnage, né en avril d'ailleurs, Léonard de Vinci. Là, il nous propose l'homme de Vitruve, du nom d'un architecte du IIe siècle latin. Et cet homme, Vitruve, disait « Tout édifice qui n'est pas fondé sur les proportions humaines devient invivable ». Et je pense que là, ça se vérifie, puisque depuis environ trois quarts de siècle, on souffre de n'importe quoi architectural, etc. Simplement, cette image fonde en quelque sorte ce qui a été dit tout à l'heure. Sur le carré qui représente la Terre, le milieu du carré, c'est le sexe, bien terrestre, alors que sur l'autre partie circulaire, céleste, c'est le nombril, pour ne pas dire le nombre il. Donc, on voit qu'il y a une nuance, une manière d'expliquer les choses. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, donc, pour Léonard de Vinci, l'homme, c'est un être céleste et terrestre en même temps. Et la preuve qu'il donne, c'est que le périmètre de ce cercle est égal au périmètre de ce carré. Il suffira donc d'aller aussi loin que vous voulez. Vous notez quand même que le thorax vaut 618 si la dimension d'une brasse aux deux tiers, c'est-à-dire cette dimension, vaut 1,618. Et la même chose qui a été vue verticalement. Tout cela, c'est simple dès que c'est expliqué. Mais quand on voit la figure seule, on n'en a pas cette idée-là. J'ai dit tout à l'heure que les analyses peuvent se superposer. Voilà la suivante. Au lieu de prendre des dimensions linéaires, on prend des surfaces. Et les rectangles, là, se multiplient en termes de surface. Si celui vaut 1 en termes de surface, alors je dois préciser. Là, on voit un rectangle, mais dans l'idée de Léonard de Vinci, c'est un parallélépipède. Celui-là, racine carrée de 2 fois le volume du précédent, et ainsi de suite. Là, on voit que le sommet intercepte le carré, la vie terrestre, alors qu'ici, il intercepte le cercle, la vie céleste. Le sous-entendu, c'est qu'on peut y aller aussi au ciel. Et à droite, vous avez, si le bras était rabaissé, eh bien, on pourrait engendrer, comme je l'ai dit, dans le point lui-même, le début, l'amorce d'une spirale de raison phi. Et on voit qu'elle est cohérente avec l'ensemble du dessin. C'est pour ça qu'il s'est abstenu. Dans le prochain film, vous verrez le détail complet de la construction de l'homme de Vitruve, selon Léonard de Vinci. Et vous voyez que c'est assez complexe. Vous notez qu'en plus du cercle et du carré, qui cette fois-ci sont bien alignés, nous avons un triangle. Et c'est cette géométrie, elle est toujours en relation avec l'homme. C'est-à-dire, lorsqu'on étudiera la Grande Pyramide selon la pensée des anciens, on s'apercevra que ça, c'est relatif à l'homme lui-même. En plus, vous observez qu'il y a phi, certainement, mais il y a également une autre lettre grecque qui s'appelle psi, c'est-à-dire P-S-I. Donc on voit que cette construction à partir de pi, P-I, phi, P-H-I et là P-S-I,
C'est l'ensemble d'un programme, si je puis dire, intégrant des notions mathématiques relatives aux proportions et à la vie même de l'individu, comme vous allez le comprendre dans la suite. S'il n'avait fait que cela, on le dirait très très bon, ce Léonard, mais il a fait pire que cela. La Joconde, c'est-à-dire Mona Lisa, en grec monoslitos, pierre unique, parce qu'il considérait, les artistes et lui, que la création est unique et qu'elle est solide comme une pierre. Donc il a fait quelque chose d'assez énigmatique, et là vous voyez l'exposé analytique d'une géométrie droite, stérile, et inféconde donc, et ça représente en partie ce visage, cette géométrie, qui est tout de suite rehaussée par celle-ci, et on voit que la spirale dorée part d'un endroit que connaissent bien, à mon avis, les personnes qui connaissent la médecine chinoise, et surtout l'acupuncture. Donc ça, cette chose-là est démonstrative. Regardez comment c'est fait. Cette fois-ci, c'est là qui vaudra 1 jusqu'au col, et la suite 0,618. Et là, on voit bien que les choses sont ordonnées de telle sorte que... Mais vous verrez dans le film, c'est beaucoup plus intéressant, plus complet, parce que la 3D permet toutes sortes de choses. Il n'y a pas que la Joconde, vous avez Saint-Jean. Saint-Jean, c'est un verbe... Oui, c'est ça. Hein, et il pointe le doigt vers le haut. Et lui, il est dans une spirale, donc une géométrie courbe et féconde, encadrée par une géométrie droite et stérile. Même les œuvres les plus connues ressortissent de cette géométrie particulière, comme vous le voyez. Avec cette chose-là, si cette partie-là vaut 1, celle-là vaut 0,618, mais c'est encore mieux dit comme ça, puisque c'est un enroulement. Alors, à tout hasard, ici, on a une autre spirale de Fibonacci qui passe ici par le nez, mais là, c'est surtout un cerveau qui est montré, et lui aussi, il est assujetti à ces proportions-là, entre son épaisseur et sa longueur. Mais ça, tout le monde s'en fiche, c'est très dommage. Donc, qui est l'auteur de cette chose-là, là ? Mickey. L'ange. On va voir si c'est un ange tout à l'heure. On tombe cette fois-ci dans la palette de Sandro Botticelli. Oui, non, c'est bon. C'est-à-dire la naissance de Vénus. Plus exactement d'Aphrodite, c'est-à-dire de l'écume, ce qui est normal sur l'eau. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la chose qu'il faut remarquer, c'est cette partie-là, c'est le sommet d'un pentagone. Et on va voir pourquoi ces choses-là sont importantes très bientôt. Vous avez un type qui faisait de la peinture alors qu'il pensait faire du violon, c'est Dominique Ingres. Et lui, il marie aussi la géométrie courbe à la géométrie droite pour faire un être hermaphrodite, puisque le mariage de Hermès et de Vénus a fait un hermaphrodite. Là, c'est une odalisque avec un O bien centré et un autre gros O autour. Maintenant, ça, c'est l'école anglaise, c'est intéressant, et l'école américaine et française, à savoir Félix Bartholdi, franc-maçon bien connu, auquel on doit cette chose-là. Mais supérieur à tout cela, selon mon opinion, c'est la nature elle-même. Une dame, enfin une demoiselle, a trempé ses cheveux dans l'eau et retire ses cheveux vigoureusement par un coup de tête en arrière, et le dessin, comme on le voit, fabrique littéralement une suite de Fibonacci. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire cette spirale nommée par des nombres. On se souvient qu'ici, il y a le double carré, 1, 1, 2, 3, etc., jusqu'à 144, ça vous avez retenu. C'est intéressant parce que là, on a la possibilité d'étudier le rapport en physique de la masse, de la vitesse et de la rigidité. Ça permet des applications donc physiques au-delà de la matière, puisque là, c'est la vitesse dont on juge, etc. Et ça explique pourquoi les arts martiaux sont intéressants. À droite, vous avez des pratiquants de l'aïkido. On appelle uke et tori, c'est-à-dire celui qui fait, celui qui subit. Qui a fait, s'il vous plaît, de l'aïkido parmi vous ? Ça ne fait pas des masses. On vous a expliqué que ce sont deux sphères qui se touchent par un point de tangence. Et celui qui fait le dégagement, si je puis dire, de cette attaque potentielle, il a pour charge de faire des volutes à l'ennemi, entre guillemets, à l'adversaire, ce sera mieux, jusqu'à ce qu'il perde son point de gravité et par conséquent s'étale. Voilà, ça c'est le principe. Il n'y a aucune énergie supplémentaire, la plupart du temps, c'est parce que ça va tout seul. On voit en revanche que l'art contemporain, à gauche, Botero. Dans Botero, il y a Tero, évidemment. Parce que la dame ici, on sait immédiatement que son centre de gravité ne lui permet pas de tenir debout. Là, c'est une forme d'imperfection, comme tout à l'heure, qu'on appellera la beauté. Enfin, si on veut.
Donc j'ai essayé, sans vous le dire, d'expliquer comment aller de l'unité à la complexité. Mais je vais le figurer cette fois-ci sous son aspect mathématique, ce chemin-là, et vous expliquer que les anciens Égyptiens, mais surtout les bâtisseurs, ne calculaient pas en chiffres, mais en fractions. Pour cette raison, c'est que si on a trois oranges l'une à côté des autres, eh bien, aucune n'est semblable à la voisine. Simplement, ça, pour eux, ça s'appelle la logistique, c'est-à-dire une quantité. Alors qu'eux pratiquent la mathématique, c'est-à-dire des qualités qu'on trouve dans la création. Ainsi, ils exprimaient le nombre d'or de cette manière avec une fraction continue qui a été retrouvée par un mathématicien aveugle et suisse, le pauvre. Et donc cette fraction continue, sa particularité, c'est d'offrir comme résultat le nombre d'or, mais en ne procédant que grâce au nombre 1. Et on voit cette liaison forte. C'est pourquoi, dans l'esprit des anciens, le 1, c'est la divinité fixe, sans, comment dire, éternelle, inaltérable, etc. Alors que le nombre d'or, c'est son moyen d'action qui est l'harmonie. Outre la chose, la volonté, etc., c'est l'harmonie. Et c'est pourquoi on la retrouve tout le temps exprimée. Voilà, la chose la plus simple qui soit. Phi est le chemin qui va de l'unité à la complexité. En bas, une autre équation encore plus simple. Phi égale racine carrée de 1 plus racine carrée de 1, etc. Qu'est-ce que vaut la racine carrée de 1? Allez, au hasard, 1, c'est bien. Tout le monde a suivi, c'est merveilleux. C'est pourquoi, très probablement, les anciens ont appelé cette très singulière mais unique relation la divine proportion. Maintenant, l'autre question qu'il reste à traiter, c'est comment faire pour ordonner le chaos? Et là, on revient sur cette notion de pentagone étoilé. En haut à droite, vous avez la première figuration peinte dans la pyramide de Ounas en Égypte ancienne, 5e dynastie, facile, 5, 5, voilà. Vous avez la figuration originelle géométrique de cela. Ici, les étoiles figurent les êtres défunts qui sont partis au ciel. Et on va s'apercevoir que, comme tout à l'heure, astres et êtres sont en relation, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est de voir que cette figure pentagone est particulièrement importante parce qu'elle a une grande dimension, une moyenne dimension, une petite, une toute petite, mais qu'en plus, on peut améliorer le standing si on prend ça et ça, ou encore ça, 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 etc. On peut multiplier et avoir dans une seule figure des données qui sont toutes en proportion. C'est ce qu'on va observer, mais avant, on revient sur âtre et astre. La particularité, c'est que l'astre, c'est du feu dans le ciel, alors que l'âtre, c'est du feu sur la terre. Et cette liaison se fait par le fait que le feu monte tout le temps vers sa source. C'est pourquoi il a été utilisé dans la plupart des religions comme emblème de l'amélioration constante par la volonté. Le feu et la volonté sont la même chose pour les anciens. Et toutes ces choses-là sont réduites, si je puis dire, à leur plus simple expression métaphysique par des choses telles que celle-ci. On va tester un petit peu plus. Vous avez vu ce dessin tout à l'heure, mais qui a eu l'idée de lire le nom œuf de droite à gauche ? Qui a eu cette idée déjà ? Vous avez tous passé 80 ans et pourtant, que lisez-vous, œuf de droite à gauche ? Feu, voilà. Lorsque vous verrez le prochain film, vous verrez que cette forme particulière explique à elle seule le site de Karnak en Bretagne, homophone de Karnak d'Égypte, etc. Donc j'espère que vous vous souviendrez de ce détail. Maintenant, passons à l'explicitation profonde de l'intérêt de connaître les particularités du pentagone étoilé notamment. Les voici. Si vous prenez une distance d'une pointe à une autre ici, le résultat proportionnel serait 1. Et si vous en omettez une, le résultat sera le nombre d'or, les 108 degrés qu'on a vus tout à l'heure au fronton, etc., les 36 complémentaires, et la petite valeur ici, c'est l'inverse de phi. Mais si ça n'était que ça, ce serait en quelque sorte qu'une visite touristique. Le voilà dans sa splendeur, ce pentagone. Il est inscriptible dans un cercle, c'est-à-dire pi, et il a toutes les valeurs de phi dedans. Et celles et ceux qui ont vu le film précédent se souviennent que pi moins phi carré égale coudée, et que 5 coudées égale phi carré, et que 6 coudées égale pi. Et on va voir que cette liaison simple en apparence recouvre une quantité de savoir assez considérable. Vous voyez que de haut en bas, on progresse 1, 1,618, 2,618, ou de droite à gauche, puisque c'est la rencontre, si je puis dire, harmonique dans une figure plate de ce qui a été montré dans les figures
volumétrique, le croisement de spirales. Ici, la confirmation, c'est que, attendons, qui connaît et qui aime cette discipline trigonométrique? Qui aime la trigonométrie? C'est bien, vous êtes deux. Aujourd'hui, c'est le doux à trois. C'est le triple d'hier, c'est bien. Simplement, on voit que ça confirme que les valeurs de sinus 18 degrés égale l'inverse de phi divisé par 2, etc., etc. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette figure droite, c'est-à-dire masculine et stérile, on obtient une autre forme de géométrie qui, elle, est courbe et féconde. Et là, ça n'est autre que la spirale de raison phi. C'est très simple, vous voyez, le rapport est très... On aurait pu, avec une seule partie triangulaire, proposer cette spirale. Ça, c'est de la, la mathématique et de la géométrie intuitive. Vous verrez dans le film qu'il y a des malades mentaux, littéralement, qui produisent des quantités de complexité inutiles pour obtenir les mêmes résultats. Donc, on peut, à partir de figures simples, notamment celles qui émanent du pentagramme, obtenir des spirales au nombre d'or. C'est passer d'un référentiel rigide à un référentiel courbe, qui sont sexués, eux aussi, selon les anciens. Tout ce qui est nombre impair est masculin et stérile, tout ce qui est nombre pair est féminin et fécond, jusque dans la géométrie, pour les courbes, elles sont féminines et fécondes, les droites ne le sont pas, elles sont stériles et masculines. Maintenant, on va diviser ce pentagone dans ses parties, on a calculé les proportions, on voit qu'au centre, c'est très riche. On a racine carrée de 5, au centre même, ici, dans ce pentagone tête en bas, c'est-à-dire le nombre d'or et son inverse, et autour, on a alternativement phi 1, phi 1, phi 1, phi 1, phi 1, et chacun compose 5. Donc le total est assez régulier et laisse entendre que, en réalité, le nombre d'or règne là-dessus. Si on fait l'inverse, on prend un pentagone étoilé, la chose se reproduit sans qu'on ait à proposer, on l'a vu tout à l'heure, les proportions. On voit donc ici ce pentagone et l'autre, le pentagone étoilé, qui le complète. Ces choses-là s'exportent dans les bras, et si on tire sur un bras, eh bien, on ne fait qu'allonger, si je puis dire, le potentiel d'ordre et d'harmonie de cette figure. On peut faire cela de manière horizontale, comme ainsi, et toutes les propriétés s'étendent à mesure que la figure s'étend, et ça n'est pas difficile, mais là, vous avez noté, on reste quand même dans un contexte masculin et stérile. Il faudrait essayer de composer ça en courbe, ce que je ne ferai pas, mais vous devinerez. Donc on a fait connaissance des spirales de raison phi, des fractales, et là, le caractère hologramme de cela, c'est-à-dire une partie égale le tout, commence à apparaître, puisque je suis engagé à vous faire la démonstration de comment la création se fait, au point de vue géométrico-mathématique s'entend. Ce qui est intéressant également, c'est de constater que même les physiciens sont à côté de la plaque, puisque lorsqu'on regarde la chambre à bulles, c'est-à-dire l'endroit où l'on voit les traces des atomes, il y a, comme par ici, des spirales de raison dorée, mais personne, là encore, n'en a rien à fiche, c'est très dommage. Pour quitter le monde des savants et rentrer dans le monde des religieux, nous avons un collier qu'on appelle chapelet. Et ce collier, à l'origine, comportait 108 petites billes, comme le 108 de l'angle du pentagone, qui est ici dessiné à sa manière. Et alors ça, évidemment, vous avez deviné que c'est l'harmonie qui est sous-tendue par ce décor, si je puis dire, religieux. Et là, il y en a un autre qui est encore plus rigolo à connaître, c'est la croix sur laquelle aurait été crucifié le Christ, qui dit de lui-même « Je suis la lumière et la vie ». On s'en souvient, et qui a 12 apôtres. Si on transpose à peine, c'est le soleil, il est la lumière et la vie pour toute la terre, pour tous les êtres, et les apôtres constituent donc le zodiaque avec toutes ses particularités, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi une croix de cette forme-là? C'est très simple. Dans l'année, le soleil, il passe son temps aux équinoxes et aux solstices. Donc on voit, les équinoxes se sont de même durée, les solstices de durée différente, solstice d'hiver et d'été n'étant pas semblables. Il y a mieux que cela, puisque lorsqu'on se retrouve à penser à ce début d'exposé, la chambre haute de Khéops, c'est un double carré, alors que le soleil, vu à l'horizon, si l'horizon est là, il passe son temps à équinoxe, solstice d'été, équinoxe, solstice d'hiver, etc. Ça, c'est fou, regardez. Chaque jour, à la même minute, pouf, pouf, vous verrez ça. D'où son nom en grec, Hélios, pour Hélice, anagramme de isolé, d'une part. Et d'autre part, ça fait la figure du 8 et de l'infini.
vous connaissez ça, qui porte un autre nom désormais, mais c'est intéressant parce que la lettre H et sa géométrie particulière, 1 égale 1 pour le double carré, mais la diagonale égale phi et son inverse, c'est-à-dire une égalité arithmétique, c'est nos maths actuelles, et l'égalité harmonique, les maths des bâtisseurs. Et donc, lorsqu'on voit cette lettre H qui apparaît, et c'est la même que le 8, puisqu'elle occupe le 8e rang de notre alphabet, allez recompter, vous avez le temps. Autre exemple religieux, ce sont des gravures médiévales. La première, on voit donc un pentagone étoilé et un autre qui ne l'est pas dans un cercle. Et on sait que le pentagone recèle le nombre d'or et que pi, voilà, c'est phi carré, sous-entendu avec pi, c'est cette relation dite dorée pour les uns et coudée pour les autres. Ils extraient de cette figure-là quelque chose qui ressemble au nombre 8, mais non pas en courbe, mais en droite. Et pour que le fait que ça, c'est infécond, ils vont le transformer en courbe. Et ça donne le Graal. L'intérêt de cette figure, c'est que toutes les parties qui ne constituent pas la coupe sont de même surface que la coupe elle-même. Et on voit que ces petits jeux-là sont ingénieux et transmettent un savoir. Qui plus est, une coupe, lorsqu'elle est vue de dessus, elle a cette tête-là. C'est normal parce que le plus souvent, elle contient de l'eau. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé de Michel-Ange. On va le retrouver, ce petit bonhomme, en bas à gauche, avec ses ailes. Ça, c'est la molécule d'eau. Vous l'avez reconnue, je suppose, vous l'avez vue toute votre vie, même avant, dans le placenta, et avant, lorsque l'humanité sortait de la mer. Nous sommes d'accord. Chaque homme sort de sa mère, chaque femme aussi, n'est-ce pas ? 4, bien, bravo. Enfin, tu n'es pas toute seule pour le faire, mais c'est bien ça, c'est la complémentarité. Donc ça, c'est la molécule d'eau constituée d'une grosse partie centrale, c'est l'atome d'oxygène, et de petites parties en haut, ce sont deux atomes d'hydrogène. Ce qui nous intéresse, donc, c'est que cet angle, en gros, c'est toujours 108 degrés, mais ça dépend de comment on fait les mesures, s'il y a de l'humidité dans l'air, s'il y a une pression atmosphérique, la chaleur, etc., activité tellurique et toutes ces choses-là, et s'il y a une viscosité particulière au moment de la mesure. En gros, c'est 108 degrés. Or, cet angle, vous le savez, c'est celui qui est constitutif de l'angle le plus obtus du pentagone. Conséquemment, est-ce qu'on doit appeler la Terre eau ou terre ? Compte tenu du fait qu'elle a 75% d'eau, c'est-à-dire 3/4. Ça, c'est la bonne question. Quant à lui, je vais vous demander qui est allé récemment, si possible, au château de Versailles. Pas tous à la fois, c'est bon, merci, personne. Quand vous irez, vous demanderez à voir le plan et vous verrez que les jardins face au château ont cette bobinette-là. C'est-à-dire, on dirait Mickey dessiné pour l'agrément, mais ça ne se voit que du ciel. Première remarque. La deuxième, c'est que vous irez visiter le reste de l'étendue royale de ce château et vous trouverez le petit Trianon. Eh bien, le petit Trianon, vous allez voir ce que l'auteur de Mickey en a fait dans Blanche-Neige, c'est-à-dire des petites baraques avec des toits de chaume très mignons, tout cela, et vous saurez que le créateur de ce petit village du Trianon à Versailles, s'appelait Charles Mickey. C'est aussi le nom d'une petite pyramide, s'appelle Mickeyrino, ce qui veut dire le nez de Mickey. Tout cela parce que Disney, c'est un Français à l'origine, il s'appelait Disney, et c'est son travail. Il a transmis des choses de la même espèce que celles que j'essaie de transmettre, avec des modalités locales et la mode du temps. C'est-à-dire, il s'est adressé à des enfants. Pourquoi ? Parce que les anciens figuraient leur enseignement de manière fabuliste, sachant, comme le disait par exemple Aristote, la fable est une histoire fausse destinée à raconter le vrai. J'espère que vous en souviendrez lorsque vous verrez les films suivants. Pour faire bref, regardez la liaison entre oxygène ici et hydrogène. Si cette distance donc est intéressante, là, de centre à centre pour les atomes, eh bien on retrouve auquel cas la valeur phi ici. Et les 108 degrés sont toujours marqués. Voyez, donc si ça, ça vaut 1, ça vaut également de s'en intéresser. Donc, on peut penser que l'univers émane d'une structure fractale qui se reproduit à l'identique à l'infini, et seules ses proportions changeraient.
On s'approche didactiquement de plus en plus du concret pour s'apercevoir que les figures de Chladni, du nom d'un physicien hongrois, nous expliquent tout cela. À savoir qu'il a constaté que des plaques métalliques rigides, selon leur épaisseur, et quand on les a toutes garnies d'un sable de même dimension pour ces grains, lorsqu'on frotte avec une force et une vitesse particulière, ça dessine immédiatement, spontanément, des figures sur ces plaques. Donc le sable se réunit ou s'écarte pour fabriquer en quelque sorte ces figures-là. Et elles sont d'une très grande variété. Ainsi, on peut imaginer que la vibration ordonne géométriquement, c'est-à-dire avec un ordre particulier qu'on ne connaît pas, mais qu'on devine, l'ensemble de la matière. On est là dans le monde de la reproduction fractale, etc. etc. Et il y a une autre manière pour aborder cela, c'est la dite spirale de Fibonacci qu'on retrouve, mais si on la considère en volume, eh bien on a un coquillage, parce que chez les anciens, il était de bon ton de dire que l'univers est né d'un coquillage et que la mer, c'est l'espace. Il me reste, avant de vous achever... quelques images, soyez patient et courageux, merci. Celle-ci est intéressante parce qu'elle vient appuyer l'ensemble de l'exposé pour dire que l'espace, selon les anciens, serait composé justement, et selon Platon en particulier, de figures elles-mêmes constituées de pentagones. Si ça c'est un volume, on a toujours les équations suivantes dedans, celles qui correspondent au devant, au derrière, au haut, au bas, droite et gauche, c'est-à-dire les trois plans de l'espace. Ça marche, je ne vais pas trop vite. Et parmi ces trois plans, quel que soit l'endroit que l'on occupe, il y en a un qui est toujours le même, qui est le plus grand. Sa proportion, ça sera celle d'un rectangle qui vaut 1 de côté sur 2,618, etc., etc., pour l'autre côté. 1 ici, etc. Là, la figure est assez incertaine, mais on montrera ça en 3D, évidemment. L'autre particularité, c'est lorsque d'autres figures géométriques composent des pentagones, ici des triangles, et là, cette division de l'espace en trois plans produit un rectangle de 1 sur 1,618. Vous avez deviné l'astuce, c'est qu'entre ces deux figures qui constitueraient à elles seules l'espace, la différence est pour la dimension 1, c'est tout. Et on associe polairement des nombres entiers, finis donc, et des nombres irrationnels, infinis. C'est sympa, ça explique pourquoi il y a des choses qui se dénombrent et des choses qui s'apprécient par des proportions et des qualités. Courageusement, maintenant, la dernière chose qui se compénètre avec ce qui vient d'être dit et qui explique la dynamique universelle, c'est tout bête. Là, ce nombre-là, je n'en ai pas parlé parce que je le destine aux chercheurs. Si quelques-uns d'entre vous cherchaient et trouvaient pourquoi ce nombre est là, s'il vous plaît, gardez-le jusqu'au film, faites-en profit pour vous-même. On va considérer celui-là dont on sait que c'est la racine carrée de l'inverse du nombre d'or. Là, c'est l'inverse lui-même, là c'est 1, là c'est le nombre d'or, ça c'est le nombre d'or au carré, l'autre au cube, etc. Et on constate avec intérêt que lorsqu'on prend deux termes successifs, ils composent le troisième. C'est donc une suite de Fibonacci, c'est-à-dire une suite au nombre d'or. C'est pourquoi cette chose explique par nature, par qualité intrinsèque, pourquoi tout est en harmonie et tout est en relation harmonieuse sans difficulté particulière. Tout ça parce que phi est le seul nombre dans l'infini des nombres qui permet d'associer une progression arithmétique à une progression géométrique. Ça marche. C'est pourquoi c'est numérique et géométrique en même temps et volumétrique évidemment de surcroît. Allez, plus que quelques souffrances, ça va. C'est tout cela qui a fait dire aux anciens et à certains que l'univers lui-même ressemble à une sphère sans dimension, donc féminine et féconde, contenant un pentagone inscrit dimensionné, c'est-à-dire masculin et stérile. Mais c'est intéressant parce qu'on sait que la sphère est ordonnée par pi alors que le pentagone est ordonné par phi. Et cette concaténation revient dans la source même de ce qui vous a été donné dans ce premier film, pi moins phi carré égale coudée. 5 et 6, ce sont ces assemblages-là qui sont intéressants. 5 coudées égale phi carré, 6 coudées égale pi. On voit que cette synthèse globale, aussi curieuse qu'elle apparaisse, est quand même très complète et elle se déduit de cette notion-là. Maintenant, on peut dire, mais ce garçon, il est sympa, il est ingénieux et tout, mais c'est peut-être trompé. Mais là, il me semble que je ne me trompe pas si je vous montre des points d'égale dimension, noir sur fond blanc, à peu près égal espacement, et il me semble que tout le monde parmi vous voit des segments de spirale qui, hop là, oui ou non ?
qui est aveugle. Merci. Donc cela, ça pourrait expliquer le fait que, comme notre œil est constitué aussi par des cellules qui affectent des formes liées par la rotondité de l'œil à pi et à phi pour l'ensemble harmonieux de cet assemblage, on pourrait voir le nombre d'or partout. Ça, si vous écoutez cela, vous vous faites piéger par un troll. Moi. Parce que la réalité, c'est que je vous ai montré des choses non pas par l'œil de chair, mais par l'œil de l'intellect. Là encore, il y a une polarité à suivre. L'œil de l'intellect, il est pour le vrai, l'œil de chair pour le réel. On essaie de comprendre ça et de s'en souvenir, parce que la nuance vaut d'être appuyée, répétée. Les anciens nous montrent par l'œil de chair ce qu'ils ont vu par l'œil de l'intellect. Ça marche. Donc la réalité, c'est qu'au fond de l'œil, il y a cette figure-là qui ordonne les cellules qui constituent le fond de l'œil en question. Donc c'est normal, puisque la loi générale fait que le fond de l'œil, lui aussi, est assujetti à pi et à phi. D'un côté, il est fécond avec le fond de l'œil sphérique, c'est-à-dire assujetti à pi, et de l'autre côté, par le croisillonnement des spirales phi, il est opérationnel et il nous permet de juger des proportions, et c'est ça qui donne le volume aux images. Ça n'est pas seulement la cervelle qui est compacte, c'est surtout cette particularité-là. Allez, un petit tour vers la poésie. Khalil Gibran, au même âge où je découvrais les premiers éléments qui font mes films actuellement, et mes conférences, et mes petits livrets, que vous retrouverez là-bas d'ailleurs, eh bien, il écrivait ceci à propos de la beauté. « La beauté est la vie lorsque la vie dévoile son saint visage. » À la même époque, donc il y a 15 ans, j'avais écrit un petit livret, « L'harmonie, le beau et l'esthétique », parce que j'entrais aux Beaux-Arts, et en même temps, je traduisais ce qu'on appelle « anaglyphe » dans le langage de Jean-François Champollion. Or, il n'a pas été suivi. Il est le seul à en faire état. Il dit « Les anaglyphes sont la cinquième modalité de compréhension des hiéroglyphes. » Et tout le monde a dit « Mais non, ça c'est de l'ésotérisme, ça n'existe pas, c'est une folie de Champollion. » Alors que « anaglyphe », ça veut dire, avec la lettre N qui est assez clairement explicite, du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est ce que veut dire anaglyphe. Quand on dit analogue, c'est qu'il y a une relation entre les deux et ces mots ne sont pas là pour des prunes. Il faut les comprendre. Maintenant, pour vous achever, une belle image qui démontre que tout ce qui vient d'être dit a certainement une forme de réalité, puisque cette image, cette fleur, résume l'ensemble qui a été donné. C'est-à-dire à partir d'un plat, une géométrie euclidienne, la géométrie en volume montre que ces choses-là s'enroulent grâce à pi et se dispose de manière harmonieuse grâce à phi. C'est tout ce qu'il fallait savoir. Je vous remercie pour votre attention. Fin de la première partie. Vous avez été courageux. Vous pouvez vous détendre un quart d'heure. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Jacques Grimaud. Oui, c'est gentil. Notez que la deuxième partie sera plus courte et beaucoup plus dynamique. Évidemment, une visite de l'île de Pâques. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, vous le méritez. À tout à l'heure. Il est 27, on se rejoint dans un quart d'heure. Merci.